Bon matin, gang! Il est full tôt, mais je voulais vous parler parce que j'ai oublié de vous dire dans les autres vlogs. Là, on est samedi matin, en passant, il est 7h15. Non, il est 6h. Il est pas encore 7h. On est en train de se préparer pour aller déjeuner, puis monter à Québec, passer la journée avec les parents Tom, puis son frère, puis sa belle-sœur, puis ses deux nièces. Puis, je voulais vous dire que j'ai passé mon examen de maths, j'ai eu 70%, j'ai oublié de vous en parler. Fait que voilà, on va se parler plus tard au cours de la journée. Bye tout le monde! Oh, je suis correct, on peut prendre notre temps. Non, non. Allô, Didi! Allô! Bon, gang, on est rendu à Québec. On s'en va manger avec les parents Tom, son frère, ma belle-sœur, puis nos deux nièces. Puis, oh, on est à contre-jour. Ah, voilà. Puis, je voulais vous dire, je voulais vous revenir sur... On voulait vous montrer à quel point Québec, là, c'est une méchante belle ville de trafic de mer. La veste du Costco de même, là. OK, ben. J'ai mis la Bourgogne aujourd'hui, puis hier, j'ai mis la noire quand on est allé magasiner. Puis, sérieusement, là, ils sont vraiment confortables. Mais là, un matin, quand on s'est levé à 6h, il faisait comme, quoi, 6 degrés max? Un matin, il faisait vraiment froid, fait qu'on s'est habillé en long. En tout cas, moi, culotte longue, gilet long. Tom, il a des culottes longues, puis il m'a dit, je mets un gilet long ou un gilet court. J'ai dit, t'as tout le temps chaud, mais un gilet court. Puis une maudite chance, parce qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel de Québec, puis il fait chaud en battance. J'ai chaud, là, je rêverais de me mettre en camisole, c'est pas une joke, là. Moi, je me mettrais tout nu! Fait que c'est ça, on va passer une belle journée en famille. Ce qui est plate, c'est que là, ma belle-sœur, elle nous avait proposé d'amener nos deux chiens, puis de coucher chez eux, ce qui aurait été vraiment le fun, parce que, tu sais, moi, j'aime vraiment ça, ce temps-là, en famille, puis avec les nièces, puis tout. Regarde comment il est beau, la couleur du Subaru Crosstrek en avant, oui. Mais je choisirais pas cette couleur-là. Moi, oui. Dans ce bleu-là, là, je trouve vraiment beau. Vous autres, gang, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je prendrais pas un char de cette couleur-là. Le bleu-là, là? Non. Moi, je le prendrais blanc ou noir, c'est mon style. Mais moi, ouais, j'aurais vraiment aimé ça qu'on couche ici, comme elle nous l'avait proposé. Puis, tu sais, Zoé, elle serait vraiment amusée avec leurs deux gros chiens. Ils ont deux gros chiens, eux autres aussi. Ils ont un. Ah oui, c'est là l'accident. Mais je sais pas pourquoi tout le monde ici ralentit. Ils ont un Samoyed, puis un berger allemand mélangé avec une autre sorte de chien, une autre race de chien. Mais j'ai pas pu avoir congé demain parce que, dans le fond, c'est ça, là. J'ai pas pu avoir congé demain à job. Fait que je me compte vraiment chanceuse de l'avoir eu aujourd'hui, puis on va profiter de la journée qu'on a aujourd'hui, puis on va se reprendre un jour. C'est juste que les parents à Tom sont vraiment, 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 vraiment pas souvent à Québec, là. Fait que c'est juste pour ça que c'est décevant. Mais la prochaine fois qu'ils vont descendre, parce que qu'est-ce qui est décevant, c'est que quand les parents à Tom y descendent, ben Tom est pas nécessairement ici en même temps. C'est la première fois que ça arrive depuis que moi et Tom on est séparés que ses parents sont à Québec pendant que Tom est chez nous. Fait que c'est ça qui est décevant, mais si ça arrive dans un avenir rapproché encore une fois, je vais prendre congé toute la fin de semaine d'avance. Dès que je vais le savoir, je vais prendre congé toute la fin de semaine. Après m'avoir arrangé avec le frère à Tom puis sa blonde, voir si on peut coucher là puis amener les chiens comme c'était prévu en fin de semaine dans le fond. Parce qu'en fin de semaine, ça s'est prévu pas mal à la dernière minute. Puis les parents à Tom étaient pas sûrs à 100% de pouvoir descendre. Fait que je voulais pas prendre congé puis me ramasser à avoir congé pour rien. Mais dans le fond, Tom était là. Fait que j'aurais pu prendre congé, tu sais, je l'aurais pas eu pour rien, moi en tout cas. C'est pas plus grave que ça, hein, bébé? Faut voir positif, hein? Je pense qu'avec tout ce que t'as décrit là, ils ont compris, là. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau, là. Qu'est-ce qu'il y a? Puis, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, tu? Rien, B. Mais ben, qu'est-ce que j'ai dit de ben non, mais je pense qu'avec tout ce que t'as dit là, ils ont compris, là. Ben non, mais j'ai dit, hein, B. Là, je suis comme, ouais. Non, mais je t'ai dit, faut le voir positif. Hey, Hein? Faut le voir positif. Bon, fait que ça, fait que là, ça va manger au Cosmos, ça va être bon. Moi, puis Tom, on va dîner parce qu'on a déjeuné un peu ce matin, on savait qu'il allait déjeuner tard. On a déjeuné un matin. Oh, c'est vrai, vous avez vu notre assiette. On a déjeuné ce matin parce que Tom a su hier que les autres voulaient aller déjeuner dîner. Puis nous, on déjeune, on dîne pour un soupe, fait qu'on avait peur d'avoir trop faim, puis de manger n'importe quelle cochonnerie. Fait qu'on est allé déjeuner ce matin, vous avez vu, au Benet Florentine, puis là, on va dîner au Cosmos. Fait que je vous souhaite une belle journée, tout le monde, puis un jour. Je vais être assez courageuse pour... ben, parce que je me demande si le frère Atom et sa blonde, ils savent que je fais des vlogs, là. Mais si un jour ça vient sur le sujet, je vais peut-être leur demander si ça dérange que je filme les enfants, puis je vous les montrerai. Mais ben oui, ils savent que tu fais des vlogs, tu leur as déjà demandé. Non. Ouais, tu leur as déjà dit à l'hôtel, tu avais dit à chose, j'ai pas filmé Kelly. Ah, c'est vrai. Ben, t'as jamais donné la permission de le faire. Si ça y aurait pas dérangé, elle te l'aurait dit, ben non, ça me dérange pas. Ouais, c'est ça, mais...
Non, j'ai pas parlé de ça, tu sais, pour vrai. J'ai pas dit, j'ai pas filmé Cali, c'est à toi, j'ai dit ça. Ok. Me semble, en tout cas. Pas grave que ça, j'ai pas vraiment envie d'en parler nécessairement non plus, là, tu sais. Avec les gens avec qui je suis à l'aise, puis qui sont à l'aise avec ça, ben, tu sais, fine. Puis les autres, ben, tu sais, je respecte ça, puis c'est pas plus grave que ça, là. Tu sais, même moi, si je ferais pas ça, peut-être que ça me mettrait mal à l'aise. Fait que je veux pas créer de malaise avec ça, puis je veux pas en parler parce que, je sais pas, on dirait, je sais pas comment expliquer ça, fait que ça me rend mal à l'aise des fois, comme. Fait que c'est ça, je vous souhaite une belle journée, gang. Tom Tom, il est fâché. Pourquoi t'es fâché, Tom Tom? Psychologie 101 avec Tom Tom. Psychologie 98.9. Nous sommes à Québec. Québec, Gaspésie. Non, c'est pas la Gaspésie, c'est Québec. Québec City! Allô, Annie? You have something to say at the camera? Je montre pas le bébé là. Non. Cali Rose est à l'intérieur du véhicule. Elle fait la baboune. Va interviewer tes parents. Bonjour. Voulez-vous passer à la télévision? Non. Non. Non? Non, merci. Sans cérémonie. Ok, bye. Bye. Ceci étaient mes parents. Son snob, n'est-ce pas vrai? Bon ben, ok, bye! Bon gang, il est 1h35 du matin, on vient d'aller chercher les chiens chez mon père parce qu'on voulait que ce soit fait. Puis je vous raconterai notre journée demain parce que je suis vraiment brûlée puis je travaille demain matin. Fait que je suis désolée, mais je suis pas capable. Je suis vraiment, vraiment, vraiment brûlée. C'est fou, là. Fait que je vous raconte tout ça demain matin. Je vous aime fort. On se voit demain. Bye tout le monde. Bye, 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 bye. Mais je vous raconte pas demain matin. Je vous raconte demain soir. Bye tout le monde. Bye, 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 bye.